aujourd'hui. On est passé en septembre, mais... Donc, pour vous dire que j'ai plus de vidéos en stock. C'est pour ça que cette vidéo existe. Merde, j'aurais dû passer de l'autre côté. Donc aujourd'hui le programme c'est je vais à la casse. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas été à la casse depuis mon nouveau poste. Donc j'ai plus vraiment le temps, c'est pour ça que j'ai plus de stock et de vidéos. Alors, aujourd'hui je vais à la casse du coup et pour aller chercher le reste du C5. Donc j'espère qu'encore le BSM, la clé et le Neyman avec. J'ai pris le strict minimum, donc ça veut dire que si je peux pas avec ce que j'ai pris, ben je peux pas avec ce que j'ai pris. J'ai juste pris ma petite mallette, j'ai pas pris de caisse à outils, rien du tout. Faut, comme tu vois, je suis dans le R11 GTL et pas dans le trafic. D'ailleurs le trafic est en panne à cause du C5. Pourquoi? Parce que le C5 était en panne et du coup bah, j'ai dû mettre en panne mon trafic. Ouais. La batterie du C5 elle est morte, elle sulfate, elle fuit, si tu préfères, elle perd d'acide, donc elle est au bout de sa vie. Et du coup bah, j'ai pris la batterie qui était dans le trafic pour mettre dans le C5. Donc ça fonctionne. Parce que la batterie qui était dans le trafic, c'était déjà une batterie qui était beaucoup plus grosse pour le trafic. Normalement, pour le trafic, je suis censé avoir la même batterie que la R11. Et la batterie que le trafic y avait, c'était la batterie que j'avais achetée pour le ZX Bike. Donc... Donc la batterie... passe pour le HDI, pour le C5. Enfin, passe. Elle fonctionne. Parce que elle est moins puissante que celle qui était déjà dans le C5. Voilà. Donc là, le trafic est en panne. Parce qu'il n'a plus de batterie. Mais sinon, il n'est pas en panne moteur. Il est en panne électrique. Et puis même, de toute façon, là, le trafic, il est en train de se refaire une beauté. Je suis en train de le repanne, donc une vidéo que tu verras prochainement. Donc aujourd'hui, c'est la casse, mais c'est pas la casse que je vais habituellement. Là, c'est maintenant, j'ai changé de casse. L'autre que je vais habituellement, c'est... Voilà. Ah, c'était donc que je vais tourner. Donc du coup, en fait, c'est même pas une casse où je vais, c'est un ferrailleur. C'est pour ça que les prix sont beaucoup moins chers. Bon, certes, il y a moins de véhicules, mais les prix c'est moins cher. Et vu les temps en ce moment, c'est compliqué. Alors, de toute façon, on me pose la question depuis le CT. Comment ça se passe? Ah, depuis le contrôle technique hein, qui a été validé, hein, véhicule, il roule très bien. Même si je t'avouerai que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis le CT. J'ai peut-être refait quoi, 500 bornes. Ah, comme j'ai changé de poste, j'ai changé de secteur de boulot. Du coup, bah, je fais moins de kilomètres. Et du coup, bah, la voiture, je l'utilise pas parce que je vais en trottinette. D'ailleurs, je vais racheter une nouvelle trottinette, donc il y aura une vidéo à ce sujet. Une trottinette. Parce que celle que j'ai, elle est morte. C'est vraiment de la merde. Elle est usée de partout, la colonne de direction, elle bouge. L'alu, il est usé. Là, je vais en prendre une qui est normalement mieux. Ouh, il y a des chevaux. Merci. Les chevaux, mais il n'y a pas la voiture. Les voix, eux, ils ont un cheval et moi je suis censé avoir 68 chevaux. Donc si tu mets 68 chevaux,
Après, c'est pas précisé quel cheval, parce que t'as des chevaux qu'on a créés pour tracter de la charge. Donc on va dire c'est des chevaux coupleux. Et puis t'as des chevaux de course qui eux ne sont pas coupleux. C'est juste de l'accélération. Et ben en gros, si tu mets, je ne sais pas quel type de chevaux qu'ils ont comparé pour quels chevaux ils comparent pour dire les chevaux. Mais si tu mets 68 chevaux attelés à la voiture en direction QAQ, et ben les 68 chevaux, ils arriveront pas à tirer ma voiture si moi j'accélère dans l'autre sens. 68 et 68, ce qui fait qu'on est égal à 0. C'est un peu comme le jeu du tir à la corde. En gros, s'il y a 68 chevaux qui tirent d'un côté et moi qui tire de l'autre, je suis censé avoir 68, et ben il n'y a personne qui bougera. Voilà. Par contre, si tu mets 68 boulonnais, à mon avis, la voiture elle va bouger. Ouais, je vais aller parler. Non, je vais aller parler en fait. Putain. Et voilà, bon, ça fait longtemps que j'ai pas été, j'ai même plus route. Bon, bah du coup, je vais à la casse, je vais chercher du coup le BSM, la clé et le Neyman et tout le reste. Et en plus, un pare-buff pour le trafic. Et une fois que j'ai ça, on suit la vidéo. À tout à l'heure. Bon, je suis sorti, j'ai payé. Alors j'ai payé là, ce que tu vois là, il y a un pare-buff qui vient d'un Mitsubishi Pajero ou alors un Opel machin, voilà ça. Et là j'ai repris un compteur. Bon, la façade elle est cassée, mais c'est pas grave, ça change. Là j'espère juste que je vais pouvoir savoir à combien je roule. J'ai pris BSI, BSM, calculateur, clé Neyman, bouchon de réservoir et l'antenne anti-vol de la clé. Voilà. Donc le pare-buff lui sera monté sur le trafic, prochaine vidéo. Et j'ai aussi pris, là tu vois la barre, c'est la barre anti-rapprochement d'un Renault 19 qui est là. Voilà. Tout ça pour la somme de 40 €. C'est uniquement le prix du pare-buffle. En gros, le système anti-démarrage, tu achètes ça dans le commerce seul, c'est 150 balles. Là, j'ai le kit, sachant que j'ai le BSM, le BSI à la maison. En espérant que, bien sûr, dans ce que je viens d'acheter, calculateur ou autre, il n'y a aucun défaut, moteur ou autre, que sinon je l'aurais acheté pour rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas pire. Enfin, ce sera perdu, mais je me compense en disant que j'ai acheté un pare-buff 40 balles. Allez, on se retourne à la maison et on voit pour la suite du C5. Bon, je vais commencer par un truc simple. J'ai changé le compteur. Ça fonctionne. Bon, j'avais filmé juste avant, mais bon, ça m'a... Enfin, j'avais filmé, je pensais avoir filmé, mais non. Donc, calculateur qui est là-dessous, le calculateur que j'ai acheté, mais le calculateur là, et peut-être n'est pas le bon, parce qu'il y en a deux sortes. Il y en a un où il y a trois fiches et un et une fiche. Là, j'ai pris une fiche. Au départ, j'avais pris lui à trois fiches. Pourquoi ? Parce que j'étais parti dessus, c'était plus simple à démonter. La carte, il n'y avait déjà plus rien sur la bagnole, donc voilà. Donc après, je me suis pris sur lui. Pourquoi ? Parce que lui avait la clé et lui a trois fiches, il n'y avait pas la clé. Donc du coup, bah, j'ai pris celui-là, mais j'espère que ce calculateur-là est le bon et le même que celui qui est en dessous. Et si c'est le cas, bah, c'est bon, la voiture est de nouveau toute neuve et elle aura un kilométrage abaissé. Donc, l'électronique, on va l'ouvrir. Toujours façon qu'ils sont récoltés 130. Aïe, ça fait mal. Encore là. Paf. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Paf.
c'est pas le bon côté. Voilà, c'est ouvert. Alors, eh ben alors c'est pas le bon. Bien. J'aurais peut-être dû contrôler ça avant. C'est calculateur à trois fiches, c'est sur le premier que j'avais pris. Bien, donc ce calculateur là, c'est pas le même. Vas-y, explique-moi, ingénieur PSA, pourquoi tu nous as fait des calculateurs comme ça et des calculateurs comme ça sur les mêmes bagnoles. Bon, bah, c'est pas la même. Alors, bon, bah, il n'y a plus qu'à repartir à la casse, lui demander si je peux faire un échange. Du coup, je prends l'autre sans la clé et on verra. On verra comment je peux faire. Mais là, tu vois bien que c'est pas pareil. Bien, bah, si t'es intéressé par un kit démarrage voiture, alors je sais pas du tout s'il y a des codes erreurs dans le calculateur ou autre, eh ben contacte-moi, je te le donne. Tu payes uniquement la livraison, voilà. Donc ça comporte la clé, le bouchon réservoir, le calculateur, ce bordel là BSM. Plus le BSI qui est à l'intérieur, par contre, lequel des deux, je sais pas. Mais avant, faut que je règle le problème. Faut que je récupère du coup sur l'autre voiture et pour t'envoyer. Sinon, bah, je t'envoie les deux BSM et voilà. Ah, et puis aussi l'antenne radio. Enfin, l'antenne qui détecte le code télécommande jusqu'au calculateur. Donc, t'es intéressé, bah, tu me contactes, tu payes uniquement la livraison. Voilà. Moi j'ai un calculateur Bosch qui ne fonctionne pas. Donc c'est bien, là c'est un Bosch, là c'est un Bosch, hein, voilà. Donc voilà. C'est les deux mêmes. Voilà. Made in France, made in Germany. Putain. Donc moi j'ai besoin d'un calculateur allemand. Et ça c'est un calculateur France. Vraiment de la gueule des gens. Ouais, après faut pas oublier que celle-là c'est une voiture belge d'origine. Bien. Bon, alors l'histoire du C5, ben, c'est très simple, il y aura une suite parce que là actuellement il fait 13 degrés, qui veut dire qu'on est passé l'automne et bientôt l'hiver. Voilà, quand j'ai commencé la vidéo du C5, c'était il y a un mois. Donc on était encore fin juillet début septembre, tu vois. Là on est fin septembre. Il fait 13 degrés. Donc pourquoi je te dis ça qu'il fait 13 degrés? C'est parce qu'il y a une vidéo qui doit arriver, c'est sur le trafic. Actuellement je suis en train de le peindre, il était là. Mais comme le C5. Anomalie électronique, le R11, les freins qu'ils avaient lâchés, il m'en restait que le trafic. Du coup, bah j'ai dû le peindre, j'avais commencé à le peindre et puis bah j'ai dû le sortir. Et du coup, il n'était pas fini d'être peint. Donc du coup, bah là il va re-rentrer. Et comme il commence à faire froid, bah ça va prendre encore plus de temps que prévu pour que la peinture sèche. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, cette fois-ci, ça va être pour le trafic, la peinture, et aussi pourquoi je vous en parle de ça, pourquoi il y aura une suite du C5, c'est parce que j'ai pu trouver, enfin un collègue de boulot m'a dit, pourquoi tu t'es emmerdé à acheter des kits anti-démarrage, que les gens ils te vendent ça 120 balles, 200 euros, alors que tu trouves sur eBay un calculateur décodé. Il y a des gens, ils rachètent des calculateurs, ou je ne sais rien. Et il te décode les calculateurs. Donc en gros, tu mets le calculateur, plus de problème anti-démarrage. Voilà, avec n'importe quel NEMA, n'importe quel BSI que tu mets dedans, n'importe quel BSM que tu mets dedans, le véhicule va fonctionner parce qu'il n'a plus de code au calculateur. Ça coûte 80 euros. Voilà, ça coûte 80 euros avec calculateur décodé contre un kit de démarrage 120, 200, tu vois.
Bien. Donc, je vais acheter ça, un calculateur décodé. Il m'a dit aussi que lui, parce que lui, il m'a parlé de ça, c'est parce que lui, il a déjà acheté un calculateur pour un 307. Pareil, code, la femme le vendait, parce que code de anti-démarrage, enfin, anomalie anti-démarrage, il a acheté véhicule, il a acheté calculateur, il a foutu le calculateur dedans, véhicule a démarré, fonctionné, voilà, fait régler. La femme, ça faisait, il m'a dit que ça faisait 3 mois qu'elle ne pouvait plus rouler avec la voiture. Lui, il est arrivé, calculateur, boum, voilà, véhicule refonctionné. Bien, donc, ça aussi, et il m'a dit que si tu as des options, comme moi, ma voiture, elle a l'option à la télécommande centralisation, il y a ça. Il y a l'option, quand le véhicule est centralisé, les rétroviseurs sont à bas. Et il y a du coup l'option que quand je mets le contact, les rétroviseurs se déploient. Voilà. Ça, il m'a dit que, je sais pas, il m'a dit peut-être qu'il fallait que je trouve mon code ou autre, mon code PIN de la voiture, pour que lui le rentre dedans, ou alors qu'il me dit qu'est-ce que j'ai comme option pour que lui en gros les intègre, parce que c'est peut-être un code universel pour tous les véhicules pour mettre dedans. Donc moi, il me faudrait les rétroviseurs qui sera bas et qui se déploie quand je centralise, ça, la centralisation, et puis je crois que c'est la seule option que j'ai aussi. Voilà, donc prochaine vidéo de ça, et aussi là il y aura moins de vidéos. Pourquoi? Parce que on est fin d'année, j'ai envie de faire une coupure, et en même temps je vais en profiter pour me racheter du matériel vidéo et aussi pour préparer qu'est-ce que je vais faire pour l'année prochaine. Donc voilà, et ça je vous le dis clairement, il y a un ou deux véhicules qui vont disparaître. Voilà, soyez pas étonnés. Peut-être que je le dirai dans la prochaine vidéo que tu vas voir, ce sera sûrement la dernière de l'année, ce que j'avais dit aussi l'année dernière, et puis j'ai continué à en faire au moins une vingtaine. Mais dans la prochaine vidéo, normalement je te dis peut-être quel véhicule va partir, le C5, le Trafic, ou le R11. Ah, il me reste que ça comme véhicule. Voilà. Donc je réfléchis sur ça, et je réfléchis aussi pour l'année prochaine. Voilà, parce que là, en gros, j'ai été contacté par des sponsors. Malheureusement, eux, ils veulent tout de suite. Mais moi, je leur ai dit, c'est pas tout de suite que je vais faire, c'est dans 6 mois. Donc j'ai dû refuser certains sponsors. Et c'était des gros sponsors. C'était des sponsors qui donnaient des pièces assez importantes, tu vois. Des trucs chers. Donc j'ai dû refuser parce que eux, ils me contactent, ils me disent voilà, on a ça à te proposer, on veut que ça soit monté. On veut que ça soit monté et utilisable le mois prochain. Est-ce que c'est possible? Ah bah non, pas du tout. Non, je peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai dû refuser. Ils ont insisté, je leur ai dit écoute. C'est non, comme je t'ai dit, c'est dans 6 mois que je vais sûrement commencer. Donc, là, dans l'immédiat, je peux pas. Donc, du coup, j'ai décliné leur offre. Peut-être que je vous en parlerai ou non l'année prochaine de qui que j'ai dû refuser, mais ça aurait pu faire un plus pour la chaîne. Voilà. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Et je te dis sûrement quel véhicule va partir. Voilà. C'est un véhicule, normalement, que je pense que tout le monde apprécie sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, on se revoit à la prochaine. Donc, logiquement, la dernière. Et peut-être, je dis bien peut-être, là, je te le dis, là, c'est à chaud. Peut-être que je vais faire un live après la dernière vidéo pour expliquer les projets qui vont arriver pour 2024. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé. Et si tu viens d'arriver aussi sur cette chaîne YouTube, eh ben, je t'invite à t'abonner. Allez, à la prochaine. Merci à toi. Non, c'est tout. Voilà, abonne-toi.